Je suis sortie ragaillardie de cette séance. Voilà, ça a duré 3 jours, vous le savez bien. Mais le chef de l'État a vu juste en nous invitant ici, parce que ce qui est essentiel pour nous, ce qui est important, c'est le Bénin. Donc dans la salle, on n'a pas remarqué l'opposition ni la mouvance. Tout le monde a échangé. Nous avons eu à faire des recommandations au chef de l'État et nous attendons la suite. Le chef de l'État, moi personnellement, je sais qu'il a la parole. Il est un homme de parole et je sais qu'il connaît très bien ce qui est très bien pour le Bénin. Donc, j'espère. Des responsables vraiment préoccupés par ce que les militants vivent. Nous sommes obligés donc de répondre à cette invitation pour plaider et implorer le chef de l'État à régler la situation donc de ces personnes-là. Nous voulons vraiment que les conclusions soient traduites en réalité et que le chef de l'État fasse le geste nécessaire pour apaiser la tension en libérant nos militants et tous ceux qui, dans le cadre donc des problèmes politiques du pays, sont en fuite actuellement.